président nous a signalé qu'il y avait une commune qui ne s'appelait pas encore commune à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de maire, mais une partie de Nacéré, appelée Nacéré, regroupant 17 villages, qui n'avaient vraiment aucune aide de personne. Certains villages devaient aller chercher l'eau à 6-7 km. Donc ils y allaient soit avec des bassines, soit avec un fût de 200 litres qui était tiré par sur une charrette tirée par un âne. Depuis plus de 20 ans, grâce aux dons, aux actions des bénévoles et aux subventions de la ville de Montivilliers, nous avons pu contribuer à développer les domaines de la santé, de l'éducation, du développement économique et de la transition écologique. On a ouvert un centre de santé avec des salles d'hospitalisation. Et la ville de Montivilliers a aidé à l'installation et l'équipement de toutes les salles d'hospitalisation. On a fait 25 forages, une opération énorme grâce à Seine-Normandie, aux Seine-Normandie. Et tous nos villages ont de l'eau à proximité et ça fonctionne vraiment très bien. Une autre réflexion de notre association, c'est de se dire, lorsque nous allions en mission, nous étions reçus chez l'un, chez l'autre, à chaque fois dans des lieux différents. Et donc il y avait nécessité de créer la maison du jumelage. Et donc nous avons récupéré pour 99 ans un terrain. Et sur ce terrain, nous avons construit la maison du jumelage avec bien sûr une salle, des chambres, un bureau qui permettaient donc aux différentes associations, mais surtout aux différentes délégations d'avoir un lieu d'accueil. Nous avons un certain nombre d'actions autour de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en intervenant dans les établissements scolaires de la ville et des environs, donc collèges, lycées, écoles élémentaires, où nous présentons un diaporama ramené de Nacéré avec différentes situations locales, donc écoles, marchés, villes, voilà, et que nous commentons auprès des élèves et on répond aux questions qui sont posées, questions nombreuses et forcément toujours très intéressées. Outre le développement de la commune de Nacéré, les liens d'amitié et de fraternité que nous avons construits ensemble sont vraiment primordiaux. Longue vie au jumelage Montivilliers et Nacéré, n'hésitez pas à nous rejoindre. Cette année, nous fêtons les 20 ans du jumelage entre Montivilliers et Nacéré, entre nos deux communes. Et Nacéré, c'est une commune rurale et nous aurons plaisir à retrouver de beaux villages tels que Fotanga, Fénéguéné, Tamiga, Biliga, Toraou, Silaléba. 20 ans d'un partenariat, 20 ans d'un jumelage porté grâce à l'association Montivilliers-Nacéré et à ses nombreux bénévoles. Les valeurs de solidarité, d'amitié, de fraternité sont au cœur de l'engagement de l'association Montivilliers-Nacéré et nous allons poursuivre. Et en 2022, nous vous proposons un programme que nous avons concocté avec les bénévoles de l'association et je vous invite à le partager autour de vous. À très bientôt.